monde. Donc, aujourd'hui, toujours avec le colloque du mercredi, le cardio à deux, une présentation très intéressante en rythmologie sur la resynchronisation cardiaque et comment améliorer cette resynchronisation et quelles sont les petites astuces. Surtout nouvelles en 2022. Et pour cela, notre rythmologue docteur Wally, ainsi que notre étoile montante en rythmologie d'Ahimène, vont nous présenter donc cette question intéressante. Alors, Nawal, à toi la parole. Alors, bonjour à tous. Je me présente, docteur Bahimène, résidente en cardiologie au CHU Mustapha Bacha. Nous allons présenter, docteur Loali et moi-même, quelques nouveautés en matière d'optimisation de thérapie de resynchronisation. Nous allons brièvement essayer de passer en revue les outils du plus simple au plus complexe qui nous permettent d'améliorer la sélection des malades et la réponse à cette thérapie. Avant de parler de resynchronisation, il est important de mettre en avant l'importance de cette thérapie et le degré de gravité de la situation actuelle en matière d'insuffisance cardiaque. S'il faut exprimer ceci en quelques chiffres, nous avions déjà plus de 26 millions de malades à travers le monde en 2015 d'insuffisance cardiaque. Et avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation du nombre d'événements cardiovasculaires et une meilleure connaissance ainsi qu'un meilleur dépistage de l'insuffisance cardiaque, le nombre de malades ne cesse d'augmenter. L'insuffisance cardiaque, c'est aussi un coût. Chaque hospitalisation pour décompensation cardiaque représente un coût énorme pour l'État. Environ 1 million d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque se font chaque année, soit presque 4% de toutes les hospitalisations, toutes causes et toutes spécialités confondues aux États-Unis et en Europe. Sachant que le séjour moyen d'une décompensation cardiaque est de 5 à 10 jours et qu'en plus, un malade sur quatre récidive dans les 30 jours et un sur deux dans les 60. On comprend alors pourquoi le monde de la science s'est autant intéressé à essayer d'améliorer le pronostic de ces malades. Les avancées en matière de thérapeutique sont nombreuses, que ce soit sur le plan médicamenteux que sur le plan des devices. Et la place de la resynchronisation n'est plus approuvée, elle s'inscrit comme arme clé dans l'arsenal thérapeutique de la FE réduite, classe de recommandation 1 lorsqu'il s'agit d'un bloc de branche gauche large et 2A lorsqu'on est devant un bloc de branche gauche entre 130 et 150 ou un non-BBG. L'aventure de la resynchronisation débute en 1987 grâce aux travaux de Moher et Mehrowski qui proposent le premier schéma de stimulation biventriculaire comme outil thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Il a fallu attendre les années 2000, en 2001, pour que les premières études de grande envergure, telles que MUSTIC ou PAT-HF, soient publiées. Il s'en est suivi une avalanche d'études positives en faveur de l'intérêt certain de la resynchronisation, études qui ne sont plus à présenter, tellement on en a parlé à chaque présentation de malades. Mais qu'est-ce qu'une réponse à la resynchronisation? À travers les différentes études, le paramètre de ré bonne réponse qui revient le plus souvent est la diminution du volume télésystolique d'au moins 15%. C'est d'ailleurs ce qui a été retenu par Prospect en 2009, associé à une amélioration clinique de la qualité de vie et du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Les critères de super réponse ou de super répondeur sont moins codifiés. Ainsi, une diminution du volume télésystolique de plus de 30% ou du volume télédiastolique de plus de 20% ou bien une amélioration de la FE de plus de 10%, au moins, sont ceux qui reviennent le plus et sont donc ceux qui sont à retenir. Ainsi, la réponse à la resynchronisation n'est pas si dichotomique. Elle représente plutôt un spectre de réponses possibles. Allons du super répondeur dont rêvent tous simulistes au mauvais répondeur, voire négatif répondeur, en passant par les non-progresseurs. Le non-progresseur est celui qui n'améliore pas ses paramètres échocardiographiques, mais ne les aggrave pas pour autant, permettant ainsi une certaine stabilité de leur insuffisance cardiaque, en reculant ainsi l'échéance de la déchéance myocardique. Cette réponse va dépendre de la capacité du myocarde à établir un remodelage inverse, ainsi et surtout des délais d'activation électromécanique. On dégage ainsi l'importance d'étudier ces délais avant de sélectionner nos malades.
Et donc, malgré les avancées technologiques en matière de resynchronisation, il subsiste quand même 30% de mauvais répondeurs. Comment pouvons-nous améliorer cela? Eh bien, il est nécessaire de mieux comprendre le mécanisme d'action de la resynchronisation, de bien caractériser les patterns électrocardiographiques des malades, de bien choisir la modalité de resynchronisation adéquate et enfin d'améliorer la programmation après l'implantation. Si au début de la resynchronisation, les rythmologues étaient focus sur les triples chambres, la stimulation biventriculaire, fascinés par le fait de cathétériser le sinus coronaire, aujourd'hui, cela ne représente qu'une des modalités. Parmi tant d'autres, ainsi, la stimulation ischienne et la stimulation de la branche gauche s'inscrivent de plus en plus comme une alternative au biventriculaire, voire dans un futur proche, comme un substitut au biventriculaire. Nous allons essayer alors de détailler les différentes modalités de resynchronisation en question, en commençant par la plus utilisée, la stimulation biventriculaire. Un tiers des insuffisants cardiaques à FP réduite présentent une activation myocardique altérée et un asynchronisme auriculoventriculaire inter- et intraventriculaire. Ainsi, chez cette population, il est intéressant d'y remédier, à savoir que la CRT va permettre de générer deux courants d'activation, essayant de mimer l'activation physiologique du cœur, améliorant ainsi le débit cardiaque. Sur le plan moléculaire, cela induit un remodelage inverse avec une activation homogène des stress kinases, une réduction de l'apoptose et une correction de l'activité du réticulum sarcoplasmique, aboutissant à un reverse remodeling. Le mécanisme d'action est mixte de la resynchronisation. La contribution du raccourcissement du délai AV est bien plus importante que ce qu'on peut croire. Ainsi, en comparant l'amélioration de la pression systolique après e-spacing et persistance du bloc de branche gauche, on a une élévation de 5 mm de mercure et que cette augmentation atteint les 7 mm lorsqu'il y a une stimulation biventriculaire associée. On comprend ainsi que le mécanisme principal est donc l'optimisation du délai AV. Comment choisir le bon malade? Est-ce que se contenter des critères, donc des recommandations actuelles, est suffisant? Est-ce que tout BBG est intéressant à affiner? Eh bien, des critères électrocardiographiques sont intéressants à connaître pour mieux choisir les malades et ainsi espérer une meilleure réponse. Plusieurs tableaux ont été proposés, mais celui qui revient le plus et celui qui est le plus intéressant, c'est les critères ECG de Strauss. Que disent ces critères? C'est un QRS supérieur à 130 millisecondes chez la femme, 140 chez l'homme, un aspect QS ou petit RS en V1, grand R petit s en V5 puis V6 et surtout un notch mid-systolique, mid-QRS dans au moins deux dérivations, V1, V2, V5, V6 ou D1 à VL. Devant un vrai bloc de branche gauche, la dépolarisation ventriculaire se fait à partir de la branche droite. L'endocarde du ventricule gauche va se dépolariser à partir du septum en 40 à 50 millisecondes, voire plus lorsqu'on est dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie. Plus 50 millisecondes pour atteindre l'endocarde de la paroi postérolatérale, puis encore 50 millisecondes pour atteindre le myocarde, soit une durée du QRS d'environ 140 à 150 millisecondes. Le premier notch va représenter la dépolarisation de l'endocarde du septum, 50 millisecondes après le début du QRS, et le second, c'est celui de la paroi libre du VG. Ces deux notches sont donc le reflet d'une atteinte uniquement de l'activation de la branche gauche et non d'une atteinte plus distale des délais d'activation intraventriculaire ou IVCD, moins répondeur à la resynchronisation. Toujours à la quête du parfait candidat, est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent nous aider à améliorer la réponse à la resynchronisation? Eh bien, le strain ventriculaire ou le strain VG s'inscrit de plus en plus comme un outil clé en imagerie et la resynchronisation semble tout aussi concernée. Dans ce papier de l'équipe du professeur Lumens, ils ont étudié la désynchronisation électromécanique septale simulée par le logiciel CircAdapt. Le cœur normal possède déjà un petit degré d'asynchronisme. Plus on augmente les délais d'activation du ventricule gauche pour essayer de mimer un bloc de branche gauche, on verra l'apparition d'une déformation septale précoce et d'une déformation tardive de la paroi latérale au strain radial. Maintenant, c'est ce qu'on voit dans le schéma du haut, donc les malades, le schéma de la simulation A. Si on diminue la contraction locale du ventricule gauche, comme c'est le cas dans le schéma B, on aura un délai d'activation et un asynchronisme. Et aussi, si on simule la présence d'un infarctus et donc on augmente la rigidité du ventricule gauche comme le schéma C,
on aura aussi cet asynchronisme. Ces deux derniers mécanismes, bien que responsables d'un asynchronisme, et malgré l'éventuelle présence d'un bloc de branche gauche à l'ECG, ils ne sont pas en rapport avec une atteinte de l'activation électrique à proprement dite. Ils ont donc des patterns de déformation septale qui sont différents. On n'aura pas cette fameuse déformation septale précoce et tardive et déformation tardive de la paroi latérale au strain radial. Ainsi, pour un même ECG, on peut définir plusieurs patterns de déformation. Un pattern de déformation typique avec cette déformation septale précoce et une déformation post-systolique tardive de la paroi latérale, et des patterns de déformation atypiques sans forcément une contraction précoce, mais plutôt des déformations post-systoliques tardives à cause de ce défaut de contraction. Pas vraiment un problème d'activation électrique. Le pattern typique est celui qui répondrait le plus à la resynchronisation. Donc, bien que le strain radial ait été utilisé dans cette étude de l'humain, il est moins peu reproductible en pratique, et c'est le strain longitudinal qui est plus reproductible et d'utilisation plus courante. L'étude du pattern de déformation septale en strain longitudinal va permettre d'identifier ces trois patterns de déformation. Encore une fois, il s'agit d'un mécanisme purement électrique. Lorsqu'il s'agit d'un mécanisme purement électrique, comme c'est le cas ici, on aura un pattern de type 1. Et lorsqu'il y a un défaut de contraction des parois, plus on aura un défaut de contraction des parois, plus on aura un pattern qui va se rapprocher plutôt du pattern de type 3. Ainsi, les patterns 1 et 2, où la contraction de la paroi libre est préservée, sont associés à une meilleure réponse. Ce qui est étonnant, c'est que cette réponse est bonne même si le QRS est intermédiaire entre 120 et 150. On en conclut que l'imagerie, bien que non nécessaire pour sélectionner de prime abord les malades, peut nous aider à prédire la réponse du malade, affiner la sélection de ces malades, des malades qui rentrent déjà dans les critères des guidelines actuellement en vigueur. Une fois ce malade bien sélectionné, comment choisir le bon site d'implantation? Le premier moyen qu'on peut utiliser, le moyen le plus simple, c'est déjà d'utiliser le CG de surface afin de situer le site d'implantation. La paroi postérolatérale en mid-segment étant la cible de la resynchronisation. La première étape, l'étape du haut, est de voir l'aspect du QRS en V1. S'il est positif, c'est la paroi libre. S'il est négatif, c'est le septum. Puis, on va essayer de voir l'aspect en AVF. S'il est négatif, c'est plutôt inférolatéral. S'il est positif, c'est plutôt antérolatéral. On passera par la suite à l'étude de la zone de transition du QRS en précordial pour déterminer si notre sonde est plutôt apicale ou plutôt basale. Une transition tardive est en faveur d'une position basale, une transition précoce est en faveur d'une position apicale, et la position apicale est celle qu'il y a à éviter. On peut également affiner le choix du site d'implantation en étudiant les EGM périopératoires et en calculant l'intervalle entre le début du QRS et l'EGM du ventricule gauche. Donc, le site qui possède ce délai d'activation, le délai le plus long, donc entre le début du QRS et l'EGM du ventricule gauche, est celui où la resynchronisation va apporter le plus de bénéfices. Un autre moyen est actuellement disponible pour choisir la bonne veine, c'est le mapping par cartographie. La cartographie va pouvoir nous aider à identifier le site au niveau du sinus coronaire qui s'active en dernier et donc qui est la cible de la resynchronisation. Ceci trouve son intérêt dans les cas les plus complexes, notamment lorsqu'il faut réaliser une CRT en cas de cardiopathie congénitale où les repères anatomiques sont différents. Dans ce papier de Lens and Pacing and Electrophysiology, l'équipe du docteur Giovanni de Naples s'est aidée du mapping pour implanter une transposition des gros vaisseaux opérés. Il est noté que cet outil a optimisé le choix du site d'implantation, mais a également raccourci le temps de fluoroscopie et le temps de procédure. Notre malade est maintenant implanté avec une sonde ventriculaire en position optimale. Comment optimiser davantage la resynchronisation en post-procédure? La tendance est à la simulation ventriculaire gauche
fusionnée à l'activation ventriculaire droite intrinsèque. Cette méthode aura les mêmes bénéfices que sur la fonction ventriculaire gauche, que la simulation biventriculaire, et aura une meilleure fonction ventriculaire droite en évitant une simulation ventriculaire droite non nécessaire. Ceci est possible en jouant sur les délais d'activation atrio-ventriculaire et interventriculaire programmés. Chaque firme possède un algorithme qui permet ceci. Nous citerons le SyncAV de Saint-Jude Médical Abbott et l'Adaptive CRT de Medtronic, puisque c'est les deux marques qui sont les plus courantes en Algérie. On commencera par Medtronic et l'Adaptative CRT. Pour ceux qui font du contrôle de pacemaker, le principe de l'Adaptative CRT se rapproche de celui du MVP. C'est un algorithme qui va détecter la dépolarisation ventriculaire droite intrinsèque et synchroniser la simulation ventriculaire gauche sur cette activation intrinsèque, améliorant la réponse à la resynchronisation d'au moins 12%. Le SyncAV d'Abbott va lui plutôt ajuster les délais d'activation atrio-ventriculaire et ventriculo-ventriculaire, VDDG, dans un but de triple fusion, simulation VD, simulation VG et conduction intrinsèque. Et il va refaire ces différents calculs des délais chaque 256 cycles. Et c'est l'algorithme qui va calculer, l'algorithme va calculer la conduction intrinsèque chaque 256 cycles et adapter ses délais en fonction de ceci. Dans le SyncAV trial, les patients SyncAV on, où on avait activé cet algorithme, avaient moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et ce, dès les premières 6 semaines. Nous avons terminé donc tout ce qui est simulation biventriculaire. Nous allons passer à une autre modalité de resynchronisation qui prend de plus en plus de place et qui est une alternative au biventriculaire en classe 2A selon les recommandations de 2021. Je cite la simulation hissienne. Elle a été décrite déjà en 1977 par Narula comme méthode de simulation définitive, puis Desmour comme thérapie de la resynchronisation dans le début des années 2000. Elle consiste à repérer le faisceau de His à l'aide d'une électrode multipolaire et à essayer de le capturer à l'aide de la sonde, ce qui va affiner le QRS du malade. Cependant, dans Sync Trial, il avait essayé d'étudier l'intérêt du e-spacing en matière de resynchronisation, il y avait quand même une bonne proportion de malades qui ne répondaient pas à la simulation hissienne. Du coup, l'équipe de Chicago s'est penchée un petit peu sur la question et a essayé d'étudier les caractéristiques électrophysiologiques des répondeurs et des non-répondeurs. Un mapping des potentiels du septum ventriculaire gauche a été réalisé chez les patients qui présentaient un bloc de branche gauche afin d'analyser les intervalles HV et la conduction septale de ces patients. Et ceci a permis d'identifier deux types de blocs. Soit le bloc est plutôt proximal et focal sur la branche gauche, ce qu'on appelle le left intra-ischian block. Dans ce cas, la stimulation du His va permettre de recruter un petit peu ces potentiels des fibres de Purkinier et on aura de bons répondeurs. Soit ce bloc est plutôt interventriculaire, c'est celui du milieu. Le bloc est plutôt distal, avec une conduction au niveau du Purkinier qui est intacte, et on aura ce V-shape. Donc, c'est cette activation du Purkinier en forme de V. Et dans ce cas, la simulation hissienne n'est pas très intéressante. Mais allons-nous réaliser un mapping avant chaque procédure? Eh bien non, l'équipe de Chicago a pris ces patients et s'est penchée sur les caractéristiques de leur ECG. Ainsi, ils ont retrouvé que les critères de Strauss s'appliquaient aux répondeurs, soit une bonne sensibilité des critères de Strauss dont on a parlé au tout début de notre présentation. Mais que 35% des V-shapes qui avaient plutôt une conduction altérée en distalité validaient également ces critères. Donc, il fallait élaborer de nouveaux critères ECG. D'où les critères de U-Chicago. L'absence d'onde S en V6 ou une onde R supérieure à S en V6, ainsi qu'un time to notch supérieur à 60 millisecondes en latéral, ont une meilleure spécificité dans ce cadre-là pour choisir les patients qui vont mieux répondre à la resynchronisation ICN. Mais chez ces patients qui ont un V-shape, que faut-il faire? Eh bien, c'est là contre-enjeu, haute CRT.
où l'on propose des approches plutôt hybrides, simulation séquentielle IS et ventriculaire et ventricule gauche. Dans OCRT, ils ont pris 27 patients, dont 17 avaient un défaut de conduction intraventriculaire. C'est ce fameux V-shape qui répond mal à la simulation ISienne. Le résultat, en activant une simulation biventriculaire associée à la simulation ISienne, 25 patients sur 27 ont mieux affiné leur QRS. Et donc, cette approche hybride trouve toute sa place. Je vais terminer par une dernière modalité, la simulation de la branche gauche, qui paraît encore plus séduisante que le IS, puisqu'elle s'affranchit des seuils élevés et des déplacements de sonde qui étaient réellement problématiques dans la simulation ISienne. Elle permet une bonne réponse également lorsqu'on a un bloc un petit peu plus distal par rapport au IS. Par contre, les extractions semblent de sondes, lorsqu'il y a par exemple une infection, semblent plus laborieuses et on n'a pas encore assez de data à ce sujet. Aussi, tout comme la simulation ISienne, ça nécessite une baie d'électrophysiologie. Cette approche peut aussi être jumelée à la simulation ventriculaire gauche et c'est l'étude LOT-CRT qui en atteste. Donc, on en conclut par là que les modalités de resynchronisation sont multiples et qu'elles peuvent être associées entre elles et qu'il est nécessaire d'aborder une approche personnalisée au patient. Et donc, on va choisir plutôt une simulation biventriculaire, une simulation LBBB ou une simulation ISienne au cas par cas. Donc, il est important de personnaliser cette approche-là et ne pas hésiter à jumeler ces différentes approches. Et je vous remercie. Très bien. Merci, docteur Dahimen, pour cette excellente présentation qui nous a un petit peu éclairé sur la resynchronisation en 2022, comment choisir les patients, après comment choisir le site d'implantation et même comment régler après la procédure les devices. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Bon, en pratique, sinon j'ai une question. En pratique, nous, on est évidemment à l'ère de la stimulation biventriculaire toute simple. Et ton algorithme n'est pas encore d'actualité. Je pense que ce n'est pas que nous. Hein. Je ne suis pas sûr que cet algorithme est pratiqué dans la plupart des pays, même les plus avancés. Est-ce que au moins vous faites l'échographie? Moi, j'y crois pas trop. Mais est-ce que vous faites des échos de resynchro avant d'implanter? Alors pour l'écho de resynchro, on fait l'écho juste pour évaluer la FE. On essaie de faire un GLS et utiliser les patterns au GLS, effectivement. Mais après, l'écho ne doit pas rentrer en jeu dans le choix pour éliminer un malade, par exemple. D'ailleurs, la plupart des études qui se sont appuyées sur les critères échocardiographiques sont revenues plutôt négatives. Donc, l'écho est plutôt un outil qui va nous aider à mieux affiner notre sélection, à prédire la réponse à la resynchronisation et non à proprement dit sélectionner les patients en question. Donc, pour l'écho avant l'implantation, en général, on fait surtout l'étude de la FE et du GLS. Les critères de la synchronisme, on ne s'y attarde pas trop. Ouais. Bon. Je sais que les études ont été validées sur l'échographie, enfin le 2D, on va dire, pas le 3D, mais est-ce que vous faites des fractions d'éjection en 3D? On essaye de faire des fractions d'éjection. Il y a des patients qui sont un petit peu limites, enfin qui sont entre 35 et 40. Bon, on sait que la variation, même intra-individuelle de l'évaluation de l'AFE est de près de 5%.
Est-ce que vous vous aidez un peu de ça chez ces patients un petit peu limites, Oui, ou même si les recommandations? lorsque l'échogénicité le permet, et surtout lorsque le patient a un rythme sinusal régulier, et tout, donc ce qui peut nous permettre d'avoir une bonne acquisition 3D multibit, on essaye de compléter par une 3D, effectivement. Après, on envoie souvent les patients pour une IRM, pour essayer de voir le degré de fibrose. Et on essaye un petit peu de voir la FE à l'IRM également pour s'aider. Très bien. OK. Je ne sais pas si y a, enfin, dans l'audience, est-ce qu'il y a des questions? Docteur Louali, est-ce que tu as des choses à nous rajouter? Ne sais pas si elle est là, hein, docteur Louali, elle est en train de préparer le dîner apparemment. Non, non, je suis là, je suis là. Je pense que Derimène, elle a tout dit. Elle a tout très bien expliqué. Elle a fait un petit peu le tour de la question. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pensez que la stimulation hicienne va un petit peu nous soulager Enfin, est-ce que déjà, enfin, la stimulation hicienne, ça se fait avec des devices classiques, j'imagine, qui n'ont pas d'algorithme particulier ou de technologie particulière, ou bien c'est des devices particuliers? Oui, ils utilisent du matériel particulier dédié à ça. D'accord. Vous avez une idée sur les prix et tout ça ou pas? Sur les prix, non, mais c'est surtout, il y a la... Bon, là, ça nécessite une baie déjà d'électrophysiologie. Oui, ça, on l'a compris, elle nous a expliqué, mais moi, je cherche les retombées en termes de prix. Est-ce que ça va, bien sûr, ça, oui, ça certainement. Va diminuer une sonde, mais c'est clair. Est-ce que les devices pour sont aussi chers? Pour l'instant, ça ne remplace pas la... Pour l'instant, je pense que même selon les recommandations, ça ne remplace pas la stimulation biventriculaire. Oui, selon les recommandations, hein, tout l'algorithme qu'elle a fait n'est pas encore, on n'en est pas encore. Exactement. Là. Hein, ça, c'est, voilà. Mais peut-être c'est un dans peu le de la perspective. Ah, certainement. Ouais. Après, l'intérêt aussi de la stimulation hicienne, c'est d'avoir moins de sondes, donc un risque infectieux qui est moins important. Et par exemple, lorsqu'on est chez des patients qui ont nécessité une extraction de device de resynchronisation après une infection ou là, donc là, c'est intéressant d'aller vers la stimulation hicienne qui, dans ce cas, on a un risque infectieux qui est moins important et on peut resynchroniser un patient à l'aide d'une seule sonde. Ça trouve son intérêt comme alternative pour le moment. Bon, voilà, moins d'infections, il faut le prouver, hein. Il faut le prouver parce que peut-être ça prend peut-être beaucoup de temps pour localiser le truc. Bon, il faut non, faire mais une pour étude les... pour voir si... Non, mais oui. Pour déjà, il faut avoir de l'expérience. C'est une courbe d'apprentissage oui. Pour le IS. Oui. Et déjà, donc, je pense qu'une personne, qu'un électrophysiologiste expérimenté mettra moins de temps pour mettre une sorte de au niveau du IS. Oui, bon, on peut imaginer que ça va prendre moins de temps puisque c'est deux sondes et pas trois, mais il faut prouver par des études que ça donnera moins de d'infections, ce qui est hypothétique pour ça. OK, bon, s'il y a plus de questions, est-ce qu'il y a des patients à présenter? Bonjour. Oui. Oui, on a un patient à présenter. Notre professeur Breda m'a chargé de faire la présentation. Vous m'entendez là? Alors. Oui. Vas-y.
Attendez, je partage. Alors. Partager. Pardon, est-ce que je poursuis l'enregistrement? Parce que là, ça enregistre toujours, en fait. Tu peux arrêter l'enregistrement de Heyman, c'est bon. Très bien, d'accord. Arrête. Une seconde, j'arrête juste. Ok. Bon.